Bonjour Philippe Drouillet. Salut cher ami. Vous êtes un immense auteur de bandes dessinées, notamment de bandes dessinées de science-fiction. Mm-hmm. Vous avez cofondé Métal Hurlant tout dans les fait, années 70 fait. Avec Jean Giraud, Jean-Pierre Dionnet. Voilà. Vous avez inspiré des cinéastes comme par exemple Georges Lucas, Ridley Scott. Oui, nous avons une relation suivie dans les années 69. Pardon. Première histoire publiée dans Pilote avant Métal Hurlant. Et je rencontre Giger et qui me dit, tu sais, j'ai vu une image à toi dans les six voyages, les îles du vent sauvage, et comme j'étais obsédé par tout ce qui est paléontologique, c'est-à-dire les dinosaures et compagnie, que notre ami metteur en scène célèbre a mis en route, avec Jurassic Park, et il m'a dit, quand j'ai vu ça, ça m'a donné l'idée de tout ce qui était organique. Grand artiste, très grand artiste. Très grand artiste. Pardon pour la voix, j'ai un petit problème de corde vocale. Ça s'est remarqué, la calasse m'ayant quitté, ça m'a tué. Je ne m'en suis jamais remis. Vous avez fait aussi plein de métiers, très différents, photographe, vous avez même été comédien. Oui, oui, avec Carte du Soleil, pendant 3 ans. Oui. Voilà, sculpteur. Oui. J'ai même fait de la reliure, j'ai fait de la tapisserie, du bronze depuis très longtemps. Voilà, de la sculpture. Et donc, alors en définitive, quand on me demande ce que je fais, bon, d'abord je dis que je bosse, je ne me prends pas pour le maître du monde, mais simplement il y a une définition. Alors d'abord, je dis auteur de bande dessinée avant tout. Parce que ça, c'est ma noblesse. Je me suis battu pour ce métier toute ma vie, dès le départ. Si je dois ma vie artistique, ma vie de travail, c'est un homme qui s'appelle René Goscinny. C'est à lui que je dois ma vie et mon existence, encore aujourd'hui. Auteur de bande dessinée et artiste multimédia. Mais surtout intéressé par tout ce qui découle en créativité, tout ce qu'on peut imaginer. C'est la découverte et la recherche, la curiosité. Donc voilà. Quand j'étais jeune, j'étais un amoureux du cinéma américain. J'allais à la Cinémathèque tous les jours. Et j'étais un amoureux de la littérature de science-fiction et de la musique. Qu'elle soit classique, mais le yéyé, non, pas du tout. Et quand les Doors sont arrivés, ou tous les autres groupes possibles et imaginables, j'avais une énorme collection à l'époque, je me suis dit, voilà la musique de ma génération. Et il y avait un lien entre la bande dessinée américaine, les Zap Comics, et la bande dessinée française nouvelle avec Metal Hurlant, et qui a été conclu pour moi par les Sex Pistols, que j'adore, et qui était la clôture d'un mouvement qui était immense musicalement. Ensuite, c'est retombé pendant quelques années, et on oublie qu'un des premiers rappeurs français, c'est notre ami, comment dire, Renaud. Parce qu'avant qu'il fasse ses grands classiques comme Mister le Gagnant ou Toutes ces merveilles et tout, ses premières chansons sont des raps où il attaque la société humaine, le fonctionnement humain, mais avec une écriture et une intelligence et pas un enfoncement de porte ouverte. La musique est porteuse pour le travail, mais aussi nous sommes des gens de radio parce qu'on écoute un peu le monde qui bouge, et qui bouge beaucoup et de plus en plus, quoi. Et je répète d'une façon très négative. Voilà, 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 voilà. Nous avons interrogé Jean-Michel Nicolet dans le cadre d'un autre portrait. Non, je vois pas qui c'est. Il a été très marqué par Jean Boulet, qui habitait le 14e, je crois. Et je crois que c'est votre cas également. C'était un personnage, apparemment. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. 16 ans. Et j'étais son photographe. Et il regardait mes dessins d'une manière plus ou moins, non pas négative, mais il n'était pas convaincu. Mais en même temps, il ne me critiquait pas. Et j'ai appris beaucoup de choses par lui, énormément de choses. Et Jean Boulet était un grand collectionneur, un amateur de films, de cinéma. Imaginez cet homme habillé en cuir noir dans les années 50, homosexuel, ami de Kenneth Anger, grand écrivain américain sur Hollywood, entre autres. Secrétaire de Jean Cocteau aussi. Et toute la bande qu'il y avait autour, la folie du quartier, sa vie de dingue.
Et Boulet était un passeur. Et il avait une salle de cinéma, et on passait des tonnes de films, et on travaillait sur les Dracula, les Frankenstein, le King Kong, des films insensés, quoi. Et la création du journal Midi Minuit Fantastique, à laquelle j'ai collaboré. Est-ce que vous vous souvenez précisément de cette première exposition au kiosque dans la rue du Château ? Ah oui, 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 très bien. D'abord, il y avait tous mes amis de l'époque, bien entendu. Il y avait les amis de Jean Boulet. Et il y avait du monde. Il y avait du monde et c'était accroché un peu parce que c'était pas encore les galeries et tout. Et c'était accroché avec des pinces. Et on a dû vendre une bricole ou deux. J'étais bien. J'étais bien. J'ai senti que ça collait. Et même Jean était très étonné, parce que ça se passait après, bien entendu, l'avoir connu à l'âge de 16 ans. Et il était content de voir que quelque part, il ne s'était pas trompé sur moi. Et ça m'avait beaucoup touché. Donc j'envoyais des photos de films aux États-Unis, je recevais des pulps, des revues de science-fiction américaines. C'est comme ça que j'ai découvert Lovecraft. Houellebecq a écrit un très beau bouquin sur Lovecraft. On découvre Lovecraft à l'âge de 16 ans, on l'oublie, entre guillemets, pendant une trentaine d'années, et à partir de 40 ou 50 ans, on y revient. Et Lovecraft, pour moi, est un passeur. Une grande partie de mon travail vient de Lovecraft. Il y a eu deux lieux mythiques pour le monde entier à Paris. C'est Montmartre. Et c'est Montparnasse, d'accord ? Bien sûr, oui. Et là, avoir un endroit, un atelier à Montparnasse, un atelier dans le 14e, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai un attachement profond à cet endroit. Quand on sait qu'Yves Klein allait chez Adam pour choisir son bleu magique, qu'il y a eu Brancusi, qu'il y a eu tous les sculpteurs possibles, Giacometti, tout ça. Et puis des gens de bande dessinée qui sont installés. C'est cette attirance pour ce quartier qui n'est pas spécialement touristique, que je sache, mais il y a une âme. La tour de Montparnasse, pour tout le monde, est une horreur absolue. Et le plus fou, c'est qu'on s'y habitue. C'est très curieux. Alors, j'aimerais pas que ça soit l'équivalent des Twin Towers, bien entendu, parce que nous serions ici même en première loge. Elle est quand même... Oui, très, surtout que c'est toujours du vol dans ma vie. Ça va tomber sur la gueule, c'est sûr. Et en même temps, c'est un point de repère. Quand je vais à banlieue, que je commence à percevoir la tour Montparnasse, j'arrive chez moi. Ils ont vous aimez la place de Séoul, la place de Catalogne, c'est oui, bien sûr. Oui, je trouve ça complètement dingue. C'est un côté mussolinien total. Donc je me dis quand même, là, je fais un salut au Duce. J'ai envie de faire un salut, mais ce n'est pas tout à fait le même. vous devinez lequel. Je ne le ferai pas à l'écran, s'il vous plaît. Trop tard, je me suis trahi. J'ai fait mes humanités, non pas dans les lycées, mais au PUC. C'est des écoles et c'est la découverte. C'est de la magie, on ne sait pas. Vous dites justement que les objets reflètent les personnes qui les ont fabriqués. C'est plutôt, je le répète, le côté humain qui l'emporte, d'accord, que la qualité de ce qui est mis sur un tapis ou sur une table. C'est au PUC où j'ai appris très vite comment on faisait du mobilier, comment le bronze se faisait, comment la verrerie se construisait, tout ça. Donc j'ai toujours eu un circuit parallèle pour entrer en même temps dans un classicisme, entre guillemets, artistique. J'ai appris Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Aragon, par Léo Ferré. Hirsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms. C'est comme ça que j'ai fait mes humanités. Le monde de l'art a un petit peu changé, le fric est toujours dominant, mais nous sommes rentrés dans une pensée différente. Avant, l'art a toujours été, comment dire, c'était un ressenti romantique, quelque chose qui émouvait ou qui fascinait, ou avec lequel on avait du plaisir. Donc c'était de l'ordre de l'émotionnel. Aujourd'hui, on est passé au stade de, comment dire, de l'analyse et du, pas du brutal, mais de l'intellectuel. Et le placement financier a remplacé, comment dire, l'élément humain de désir, de plaisir, d'amour, de fascination. Le monde est en train de crever pour le profit de certains, mais pour le profit. Et il y a une perte d'humanité.
Et il y a quelque chose qui vient d'arriver, que moi j'ai lu, que j'ai connu, puisque je l'ai dessiné moi-même. J'aurais mieux fait de faire Bécassine ou Friponnet et Marisette. Mais j'ai dessiné tout ça. Et maintenant, ça me tombe sur la gueule. Je voudrais être enterré au cimetière de Montparnasse, à côté de mes amis de bande dessinée, Georges Wolowski, que j'adorais avant l'assassinat, qui a dîné ici 15 jours avant, mon cabu est dans sa ville natale. Peut-être on peut continuer à travailler après outre-tombe. On peut se passer les dessins les uns les autres en douce. Un artiste meurt le pinceau à la main. Quoi. Donc voilà. Quoi. Et pas tout de suite, pas tout de suite. Juste à la fin de l'interview, vous aurez un truc formidable.